rapide. Et oui, oui, discret, hein, c'est vrai. Oh, alors là, un premier but qu'on n'a pas vu venir. Voilà, Olivier. Et... on parlait de très pratique devant le gardien. Ouais. C'est ce qu'a pu payer. Ouais, et c'est Smith hein, qui a encore fait parler la poudre, je crois. Un lancer, à mon avis, qui passe entre les bottes. Je ne sais pas si vous le verrez mieux que nous. Au ralenti, probablement, il est descendu au niveau du cercle, Smith. Un peu hasardeux cette longue transversale, alors c'est dévié à mon avis sur la jambière du défenseur. J'ai un doute, Olivier, soit c'est le patin du joueur. D'ailleurs il y a les arbitres sont en train de discuter là. Ouais, Kevin avec des joueurs à surveiller sur ce power play. Oh, superbe, superbe. Ouais. Ben voilà, Salitouro qui va mettre son troisième but en supériorité. On l'a passé. Son sixième point. Très très belle. Ah, la passe est magnifique. Oh là. Ouais. Avec Feuille qui va pouvoir y aller même tout seul. Allez. C'est, il a un patinage quand même. Avec Pauli, t'es pas content de l'autre côté. Oh oui! Oh là là! Ouais, c'est ce qu'on disait, hein, vraiment une belle période à regarder parce qu'on était encore sur Ekfeuille quasiment. Et on n'a pas vu Lorca qui sortait du banc des pénalités, qui a créé un surnombre 2 contre 1. Et quel geste intelligent de Philippe Allais. Ouais. Qui a attendu que le gardien bouge. Ouais, parce qu'il était. Il aurait pu tout de suite reprendre en one timer. Ouais, 2 minutes de pénalité. Hein, ouais. Ah ouais, les scorpions, là on les retrouve, hein, l'indiscipline malheureusement. Qui prennent 2 minutes. Et là. Pour personne, ça permet au Duc de repartir. Ah, et Zipov qui relance tout de suite dans la zone neutre. Ouf, oh, magnifique. Là, elle est déviée. Elle est un petit peu déviée, ouais. Sur le départ, elle attend dans la lucarne de Koli. Ah, et c'est Zipov qui a relancé tout de suite l'attaque. Un petit relais à la bleue. C'est dévié. Je pense que Collé est un petit peu, on va revoir ça, mais peut-être un petit peu voilé en plus. Ouais. Ah là là, et magnifique. Magnifique, 8-3-3. Ouais. C'est-à-dire qu'il met une telle énergie, une telle glace dans la zone là depuis quelques minutes. Ah, et c'est le numéro 15 là. Qui vient battre Colli dans l'enclave à mi-hauteur côté plateau, laissé tout seul, ouais, complètement seul dans l'enclave. Et là le public qui se réveille parce que il est temps mort, hein, demandé par Goldberg. Ouais, ça fait 2 buts en quelques minutes là, il va falloir se réveiller. Alors oui, ouais. Hauteur. Alors, les 4 joueurs qui ont décidé de shooter, plutôt que de jouer le gardien, ont marqué. Hein. Ouh, aïe, aïe.